Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le Tanis, le Normand, deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets, et un tarot, le Lily White Tarot. Ce sont quatre jeux que j'ai créés, que j'ai dessinés, que j'ai écrits, sauf celui-ci, je l'ai simplement écrit, les illustrations sont des illustrations, des peintures du monde. Je vous invite à aller voir sur mon site, vous avez la référence en barre d'infos sous cette vidéo, pour découvrir un petit peu plus ces jeux, et puis voilà, tout simplement. Alors, pour compléter votre tirage, vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez un bon complément d'informations pour tout le mois. Et du lundi au vendredi, presque tous les jours de la semaine, du coup, je vous propose sur ma chaîne des petits tirages du matin, donc qui compléteront aussi à merveille le grand tirage du mois. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me permet de me booster aussi, de me donner envie aussi de continuer à vous créer des vidéos, de continuer à vous créer du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me montrer votre soutien. Et puis on se retrouve donc après pour les petits tirages du matin, et comme ça vous aurez accès à ces tirages du matin également. Alors on commence tout de suite par la première semaine, les Verseaux. On a la carte de la faux, la carte des oiseaux, avec le Normand. Alors je vais tirer toutes les cartes. Voilà. Alors, on voit qu'il va y avoir un retour par rapport à des discussions que vous avez eues précédemment. Il y a un retour qui se fait, vous aviez mis en place certaines choses justement en discutant à droite à gauche avec des personnes sur certains sujets. Donc à vous de voir quels sont les sujets qui vous concernent. Et il va y avoir un retour un petit peu de cet investissement, de ce dialogue, de ces communications que vous avez eues. Vous allez récolter les fruits de ces échanges. Il y a également cette idée de maturité, des échanges qui deviennent plus matures, qui prennent plus de consistance, on va dire, durant cette première semaine. On vous demande aussi de voir les choses sous un angle complètement différent, ici avec le Sweet Ladies, vous voyez ces personnages qui s'envolent. Regardez les choses sous un angle différent pour peut-être démasquer aussi certains mensonges qui se trament autour de vous. Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs, avec la carte de l'ermite, des mensonges que vous vous faites à vous-même? Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous mentir sur un sujet donné? Quelque chose que vous, une vérité que vous n'avez pas vraiment envie de voir en face, et pourtant la carte de l'ermite vous accompagne vraiment tout en douceur, vous voyez. Elle vous permet voilà, de revenir au centre de vous-même, d'éclairer une partie de vous qui a besoin d'être éclairée, et de remettre de la lumière sur un mensonge qui se joue pour vous, en vous, ou alors que quelqu'un, ça peut venir d'une personne extérieure, et ce mensonge en fait viendrait de votre passé. Voilà, parce qu'avec la carte de l'hermine, on a cette lumière tournée vers le passé, on éclaire le passé pour mieux avancer après dans l'avenir, mais on a besoin de ce temps d'observation de quelque chose qui a été passé, qui a été réalisé dans notre passé. Voilà. Alors, on va regarder pour la seconde semaine. Pour la seconde semaine, il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Alors on va regarder un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Encore la carte du choix. On peut dire que cette semaine-là va vraiment être sur le... Ah oui, d'accord. Donc il y a de nombreux choix qui vont s'offrir à vous cette semaine. Il va falloir prendre des décisions et c'est pas facile parce que vous êtes un petit peu là dans le brouillard comme ce petit poisson. Mais il va falloir rester focalisé sur votre objectif. Vous voyez cette petite fleur là qui est éclairé. Finalement, si vous focalisez sur votre objectif, vous allez très facilement arriver à trouver votre chemin, à l'intuition aussi. Alors, il y a peut-être des contrats aussi qui vont se signer. Ici, on vous dit de faire les choses. Alors, on parle d'émotions ici, et ici, on vous parle plus de vraiment faire les choses avec la tête, d'aller lire les petites lignes en dessous de tous les contrats que vous allez signer, par exemple, de vous engager une fois que vous avez bien réfléchi. Donc prenez le temps de vraiment conscientiser le choix que vous allez faire et de rester fixé sur votre objectif. Ces choix, c'est une chance aussi qui vient vers vous.
Vous avez la chance de pouvoir choisir, de pouvoir prendre vos propres décisions. Donc même si vous êtes un petit peu dans le flou, dans le vague, eh bien il y a quand même une opportunité qui va s'ouvrir à vous pour cette deuxième semaine. Donc saisissez-la en ayant bien en tête de bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants et aux objectifs que vous vous fixez. Alors pour la troisième semaine, waouh, beaucoup d'épanouissement dans votre couple. Dans vos relations, il y a vraiment un épanouissement qui va se faire dans vos relations avec la carte du Tanis. Les deux cartes du Tanis, ici le Lys et le cœur, donc des échanges à cœur ouvert, une sexualité dans le respect de chacun et épanouissante. On a une relation amoureuse ou une relation amicale très forte qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ici, vous avez aussi un temps d'enseignement ou de recevoir un enseignement. C'est une bonne semaine pour vous pour mettre à profit votre savoir, distiller votre savoir, faire profiter aux autres de vos connaissances ou bien intégrer de nouvelles connaissances aussi en vous. Avec la carte de la manipulation, justement, on vous dit de faire attention parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui cherche à vous manipuler. Et en même temps, c'est très nuancé par ces deux cartes-ci. Ici, la carte justement de l'enseignant, des études. Et ici, en même temps, la carte de la transmission. On transmet, on partage. Ce sont des mots-clés que l'on retrouve avec l'enseignement. Partager, enseigner. Donc il faut simplement faire attention lorsque vous allez soit être l'élève, soit être le maître, de ne pas utiliser votre savoir comme quelque chose de supérieur, ne pas vous sentir supérieur, ou faire attention justement aux enseignants qui pourraient être des influenceurs, entre guillemets, qui pourraient chercher à vous influencer, à vous dire votre façon de penser, vous dire votre façon d'être parce qu'ils ont des connaissances que vous n'avez pas encore. Attention. Voilà, donc ne vous mettez pas sous un rang d'infériorité ou de supériorité, sous un rang inférieur ou supérieur. Fuyez les personnes qui font ça, les enseignants qui font ça. Ayez toujours cette idée de partage à cœur ouvert. Alors, on va regarder pour votre dernière semaine. Alors, votre dernière semaine, on parle encore de connaissances et d'apprentissage. Ah, peut-être un apprentissage à la maison. Ça pourrait être intéressant justement, une formation à la maison. Vous avez des formations qui sont proposées en ligne, comme celle que j'ai faite par exemple pour le tarot, vous en avez dans plein de domaines différents, où vous pouvez apprendre en fait de chez vous, au rythme que vous souhaitez, et c'est peut-être ça qu'il va falloir, dans lequel il faut vous lancer en fait, puisque là on a le livre et la maison, enseignement à la maison. Voilà, tout simplement. On vous invite aussi à faire attention aux bagages que vous portez. Quels sont, peut-être essayer de faire un petit temps d'observation sur les bagages émotionnels que vous avez ou peut-être tout ce que vous possédez et qui finalement devient un petit peu lourd. Travaillez un petit peu sur ce côté minimaliste dans tous les domaines de votre vie pour vous décharger de certaines choses, de certains bagages qui commencent à devenir lourds pour vous. Et pour ça, on vous invite vraiment à faire ce travail avec l'ermite de se poser et de regarder. Dans un premier temps, ne soyez pas dans l'action, soyez vraiment dans l'observation de tout ce qui se passe autour de vous pour voir un petit peu comment ça se joue et comprendre les choses avant de passer à l'action. On a avec la carte du 2 de coupe un engagement toujours pareil, hein, donc ça rejoint la semaine précédente, cet engagement qui se crée avec une personne, ça peut être quelqu'un pour le travail, hein, un associé, ça peut être un nouvel ami ou une amitié ou un nouvel amour aussi, et cette idée de créer quelque chose ensemble. Voilà, là vous vous épanouissez ensemble, vous créez quelque chose ensemble. On voit cette belle fleur qui s'épanouit, c'est ce partage aussi à cœur ouvert qui se fait avec cette eau qui passe d'une coupe à l'autre. Donc profitez bien justement pour créer quelque chose ensemble, quelque chose d'harmonieux. Voilà. Donc voilà les Verseaux pour votre tirage, votre horoscope du mois. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, à le liker, à le commenter bien sûr et à vous abonner à la chaîne.
On se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois. Bye bye !